Bien se passer, il y a aucune raison pour que ça se passe mal. Tu connais ta mère, t'as vu ma gueule. Oh, c'est pas parce qu'on est un peu différent. Un peu différent, Marie. Non, mais d'accord, elle a un peu des idées arrêtées et elle vit un peu en arrière, mais. Tu sais quoi? J'espère qu'on va tomber en panne. Yes! Comme j'avais dit! T'inquiète pas, c'est juste l'essence. J'ai tout ce qu'il faut. Oh putain. Rappelle de ce morceau. La nuit est chaude, elle est sauvage, la nuit est belle pour ses otages. Oh Gabi. Arrête, non, je suis fatigué. Ouais, non, t'as raison. Je vais trouver une aire de stationnement, puis on dormira dehors. Ouais, t'as raison, à la belle étoile. Comme à la bonne vieille époque. Avec nous deux, Sacha et Gabi. Allez, viens, Sacha. On doit y aller. Allez, viens. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir pour lui faire plaisir? Du chocolat? Très drôle. Bon, elle est toute moche, là, ça ira très bien, non? Ouais, t'as raison, ça ira très bien dans son potager. Oh, j'ai rien fait! Putain, qu'est-ce que t'as foutu? Bah bravo! T'as réussi à cramer le moteur. Ah, je crois que c'est un signe, hein, faut pas y aller. Vous avez besoin d'aide? Je peux vous aider? Bonjour! Le moteur? Oui.
Oui, oui, on a un souci avec notre moteur. Ouais, c'est ballot, c'est après, c'est pas très grave, hein, on va appeler la dépanneuse et on rentrera à la maison. Non, mais vous embêtez pas avec une dépanneuse. Mon mari mécanicien, il arrive dans une heure, donc on peut l'attendre chez moi si vous voulez. Je peux vous servir un café, une suze ou une bière si vous voulez. Y'a pas de soucis. Vous êtes sûr que ça vous dérange pas? Non, du tout. En plus, y'a personne chez moi, donc... Bah, allons-y. Bah, on peut y aller, oui, c'est pas si loin. Bon, les filles, alors ce soir, je vous propose du rouge ou du blanc. Ce qui goûte le mieux. On peut partir sur du blanc? Allez. Ah bah en plus, le repas est prêt. Allez, à table. Ah,